répondre aux interrogations de l'équipe d'AfroWeb TV et des téléspectateurs chaque samedi à partir de 11h par le biais d'Edith Aïna. Notre émission en parle, animée par Edith Aïna, sur AfroWeb TV chaque samedi à partir de 11h de Chicago ou 12h à New York ou encore 18h GMT. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur AfroWeb TV chaque samedi à partir de 11h heure de Chicago, 12h à New York ou 18h GMT. On en parle, disponible sur la chaîne AfroWeb TV et sur www.afrowebtv.com. Bien-aimés, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission. On en parle. Nous souhaitons la bienvenue. Nous vous saluons dans le nom et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moïse Agbéye, grand micro à la réalisation, à la mise en onde de cette émission spéciale. On en parle. Et normalement, donc, c'était la sœur Edith qui devait vous servir, mais elle est un peu indisponible pour cette émission. Donc, nous allons recevoir un homme de Dieu qui n'est plus aujourd'hui à présenter. Il est également serviteur de Dieu et il est également donc pasteur de Shekinah Glory Church et vous avez déjà donc le nom à votre petit écran. On parlera certainement du baptême, de toutes les questions que vous vous posez et donner des précisions également donc sur le baptême. Il nous permettra également d'avoir d'autres informations concernant le baptême. Il est dans nos studios aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Nous sommes très honorés par sa présence dans les studios d'AfroWeb TV. Merci infiniment à tous et à chacun de vous être au bon endroit pour écouter également de très belles informations et surtout sur le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Est-ce qu'on peut se baptiser deux fois? Baptême par aspersion, baptême par immersion, baptême de feu, baptême du Saint-Esprit. Toutes les précisions seront données également au cours de cette émission. Merci infiniment de votre fidélité à cette émission. On en parle. Merci à vous tous ceux qui allez essayer également de vous abonner également à notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Allez tout simplement sur le www.afrowebtv.com/live et vous serez en direct avec nous. Vous êtes au bon endroit, ça fait plaisir de vous savoir, chers amis internautes, chers téléspectateurs. Merci à tous de votre fidélité. Aujourd'hui donc nous avons l'honneur de recevoir dans nos studios monsieur, je voudrais dire encore monsieur parce que c'est également un pasteur que nous apprécions également ici, qui soutient également notre entreprise AfroWeb TV, pasteur Kofi Agbetofana. Bonjour pasteur. Bonjour frère Moïse. Comment est-ce que vous allez, pasteur? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Nous allons très très bien, on rend grâce à Dieu et ça fait plaisir de vous savoir et de vous avoir également pour votre disponibilité. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous et cette grâce nous est encore donnée aujourd'hui pour vous poser des questions concernant le baptême. Amen. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je voudrais préciser que vous êtes le pasteur senior également donc de Shekinah Glory Church ici à Cedar Rapids et également une église qui s'étend petit à petit sur le plan international. Nous vous saluons également. Merci également à tous ceux qui contribuent de près de nous à l'édifice également du Saint-Esprit dans cette église-là. Si vous avez un mot de bienvenue et un message pour commencer cette émission, que direz-vous, pasteur? Je voulais juste saluer les téléspectateurs et les internautes. Je voulais juste les bénir et vous encourager, vous remercier le Seigneur pour votre vie, pour tout ce que vous faites pour l'évolution, bien l'élargissement de l'œuvre de Dieu. Amen. Donc nous, que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse davantage. Amen. Merci beaucoup pasteur d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous ceux qui nous recevez également. Faire une incursion exclusive pour parler du baptême également aujourd'hui dans cette émission. On en parle. Alors
quel est le sens du baptême? Quelle est la définition du baptême? Et comment est-ce qu'on peut comprendre le baptême pour commencer cette émission, pasteur? Amen. Je vous remercie pour la question. Alors, pour le sens du baptême, bien la définition du baptême, alors nous allons dire que le mot baptême même, ce n'est pas un mot d'origine française, c'est un mot d'origine grecque. Et dans le grec, le mot, c'est baptizo. Yeah. Donc, dans la langue française, ce mot n'est pas, c'est-à-dire défini, non pas donné une traduction en tant que telle à ce mot. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour ne pas offenser c'est-à-dire l'église christianiste, ou bien c'est à cause de ça, mais bon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas donné une traduction. Mais ils ont juste, c'est-à-dire ils ont pris le mot tel qu'il est dans le grec, ils l'ont transcrit seulement avec les alphabets français pour donner le mot baptême. Alors, si nous voulons aller dans le grec pour savoir ce que c'est que le baptizo là, la division du mot grec baptizo, cela signifie immerger ou bien plonger quelque chose, submerger. Donc, c'est la définition que le grec donne au mot baptême. Donc, si nous voulons revenir en français pour définir ce que c'est que le mot baptême, nous allons dire que c'est le fait de plonger ou bien d'immerger quelque chose ou bien quelqu'un dans l'eau ou bien dans le Saint-Esprit. Immerger quelqu'un. Immerger quelqu'un ou bien ça peut être quelque chose aussi. Donc, dans l'eau ou bien dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. D'habitude, on a l'habitude d'écouter le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Quelle est la différence entre ces trois concepts que nous avons l'habitude d'écouter et sur lesquels vous avez l'habitude de faire des enseignements? Ok. Pour la différence entre les baptêmes, donc, d'abord, on a dit que dans la Bible, alors Jésus a fait mention du baptême. Et si nous lisons le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de baptême. Mais nous avons trois particuliers que nous arrivons à enseigner dans nos églises. Donc, vous parlez de baptême d'eau. Oui. Donc, je vais commencer par le baptême d'eau. Bon, oui. Le baptême d'eau, nous avons deux types de baptême d'eau. Il y a un baptême d'eau que Jean-Baptiste a fait. Il a fait ça avant Jésus-Christ et avant le ministère de Jésus. Et c'est lui, Jean-Baptiste lui-même qui a baptisé aussi Jésus. Donc, ce baptême, on l'appelle le baptême de repentance. Donc, c'est ce baptême que Jean-Baptiste avait fait. Alors, la mission de Jean-Baptiste à ce moment, c'est de préparer le cœur des peuples pour la repentance, pour que l'œuvre de Jésus soit une œuvre de qualité. Donc, c'est comme le président veut aller quelque part, on envoie d'abord les gens d'aller parler, d'aller sensibiliser le peuple, d'aller préparer les gens, le peuple avant que le président même n'arrive. Donc, c'est en quelque sorte la mission de Jean-Baptiste, il était là pour préparer le chemin du Messie. C'est préparer le cœur des hommes à la repentance. On appelle ça baptême de repentance. Et c'est toujours un baptême par immersion que Jean-Baptiste faisait. Et ce baptême aussi, là, ça a des qualités, ça a des exigences, des qualités. On doit voir quelques critères avant de te baptiser. Donc, si on a le temps, on peut... On n'en parlera par rapport à ces critères-là. Je suis engagé, je suis converti. Est-ce que je dois me faire obligatoirement baptiser? Je viens de parler du baptême de... Puisque c'est la foi qui sauve, c'est pourquoi je pose cette question. Ok, je vais répondre à cette question. Je parlais du baptême de repentance. Oui. Maintenant, si nous venons sur le baptême chrétien que nous faisons de nos jours dans nos églises, ce baptême chrétien est différent du baptême de Jean-Baptiste. Alors, le baptême de Jean-Baptiste, je viens de dire que c'est un baptême de repentance. Mais le baptême chrétien, ce n'est pas un baptême de repentance. C'est un engagement que les chrétiens éprouvent, c'est-à-dire prennent envers leur Seigneur. C'est-à-dire que tu t'engages qu'aujourd'hui je suis devenu disciple. Si nous pouvons aller dans la parole de Dieu, nous allons voir dans Matthieu 28, verset 19. Il veut dire que Jésus a donné un commandement à ses disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez donc, c'est un commandement que le Seigneur Jésus a donné à ses disciples. Donc si tu veux être un disciple de Jésus, donc, tu dois obéir à ce que Jésus, ton maître, t'a dit. Donc, tu dois te baptiser. Donc, dire que tu es engagé, on dit que c'est la foi qui sauve. Mais si nous prenons
la parole de Dieu dans Marc 16, verset 16. Là, il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, cela voulait dire que le baptême lui-même ne sauve pas. Mais le baptême contribue au salut. C'est un apport, c'est un complément. Donc, ce qui veut dire que si tu crois d'abord, tu as la foi, il faut que tu te baptises. Donc, engagé dans la foi, mais sans baptême, tu vois que peut-être il te manque quelque chose. Ça, c'est un complément, c'est quelque chose qui va te pousser maintenant, qui va appuyer. C'est un saut, on peut dire que c'est un cachet. Au pays, on appelle ça tampon. Oui. C'est un certificat qu'on te donne que vraiment aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu ou bien tu appartiens à la famille chrétienne. Donc, je vois que l'engagement seul ne suffit pas parce que si nous voulons répondre à l'appel de Jésus, nous sommes obligés à se baptiser. Donc, la Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Oui. Autrement dit, si tu crois, mais tu n'es pas baptisé, on n'a pas dit que bon, tu ne vas pas aller au ciel, mais il faut que les deux marchent de pair. Les deux marchent de pair. Voilà. Alors, on parlait un instant également donc, du baptême de feu, baptême du Saint-Esprit. Je voudrais que vous donniez un peu plus de précision sur la différence entre le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ok, le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit, nous voyons dans Actes chapitre 2. C'est là-bas que nous avons vu que les apôtres étaient baptisés du Saint-Esprit et de feu. Mais avant cela, Jean-Baptiste va parler, c'est-à-dire dans Matthieu chapitre 3. Donc il va parler d'abord que si vous devez être... Lui, il est en train de baptiser par l'eau, mais il y a quelqu'un qui viendra vous baptiser par le Saint-Esprit et du feu. Donc dans l'interprétation de certains commentateurs bien théologiens concernant la parole de Jean-Baptiste, alors, ce baptême de feu que lui faisait allusion là-bas, ce n'est pas la même chose que nous voyons dans Actes. Alors, si les théologiens disent que ce baptême, c'est le baptême de feu, ou bien c'est le feu du dernier jugement qui est réservé aux chrétiens à la fin des temps. Mais si nous voyons maintenant, nous voulons parler du baptême du Saint, baptême du feu, alors le baptême du feu accompagne toujours le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que quand nous voyons dans Actes chapitre 2, à partir du verset 4, alors nous allons voir que les apôtres ou bien les disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute, et ils attendaient, ils espéraient la promesse de Jésus. Quelle était la promesse? Il a dit dans Jean 16, verset 16, Jésus-Christ les a dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Parce que la chose qui doit vous permettre de supporter ces choses n'est pas encore là. Donc, une fois que je vais partir, lorsque je partirai, alors j'enverrai maintenant un consolateur. Alors, c'est celui-là qui viendra maintenant vous expliquer, vous enseigner tout ce que je vous ai dit. Donc, autrement dit, ils doivent recevoir d'abord le Saint-Esprit avant de pouvoir comprendre certaines choses. Donc, le commandement qui reste dans la chambre haute, la Bible dit qu'il était au nombre de 120 personnes en ce jour-là. Et il espérait, c'est-à-dire cette promesse-là. Et du coup, la Bible dit que la salle était remplie de l'Esprit de Dieu. Et individuellement, chacun, il y a une langue de feu sur leur tête. Alors, c'est-à-dire l'Esprit qui remplissait le temple en ce moment-là, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils étaient baptisés par le Saint-Esprit. Alors, votre question de savoir quelle est la différence entre le baptême, bien, qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? Alors, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est rien que d'être immergé dans le Saint-Esprit, d'être rempli par le Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit à la personne. C'est un débordement spirituel bien, et surnaturel d'un croyant. Donc, cela veut dire que si tu es croyant, sans être rempli par le Saint-Esprit, il y a certaines choses que tu ne peux pas supporter. Vous allez voir aujourd'hui dans nos églises, un petit vent souffle, les gens ne commencent pas à parler mal de Dieu. Il y a des gens qui viennent même, c'est-à-dire ils ne sont même pas assidus à l'église, ils sont étrangers toujours. Donc, si tu es rempli par la puissance de Dieu, tu ne seras pas étranger dans la maison de Dieu. Donc, c'est pour cela, c'est très important qu'un chrétien, un croyant que nous sommes, nous devons être remplis par le Saint-Esprit, qu'il y ait la plénitude du Saint-Esprit en nous. Maintenant, parlant du baptême de feu, oui. Alors, et nous voyons maintenant dans le verset que après le Saint-Esprit, il y a une langue de feu qui était sur eux individuellement.
ce n'est pas quelque chose qui est collectif, mais c'est individuellement. Donc, un baptême de feu accompagne toujours le baptême du Saint-Esprit. Alors, quelle est la différence maintenant? Le baptême de feu donne le zèle. C'est-à-dire, ça donne le zèle aux croyants d'aimer, d'avoir un amour dévorant pour Dieu. Mmh. Donc, voilà. C'est le zèle, le feu là te donne un zèle. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, votre métier, vous avez reçu, il y a un feu en vous. Il y a un feu qui brûle en vous. Mmh. Ça, là, je dois faire. Il y a une passion pour ça, là. Ça, c'est-à-dire, si on amène ça dans le corps de Christ, on peut dire que c'est le baptême de feu qui te donne ce zèle-là de faire cette œuvre pour le Seigneur. Et quand tu commences, tu ne vas même pas vouloir laisser. Parce que le feu, là, Jean 2, 17 dit, le feu, c'est-à-dire, le zèle, ton zèle me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Voilà, voilà. Parce que tu as le zèle en toi, le feu te conduit à faire des choses, à aimer Dieu plus que toute chose. Et le feu là également, c'est les épreuves que les chrétiens ont, ou bien les croyants ont l'habitude de subir pour grandir dans la foi. Donc quand tu es baptisé par le feu, tu vas rencontrer des vents et marées, mais tu ne vas pas baisser le bras, tu vas continuer toujours parce que le Seigneur t'a déjà préparé par le feu, par les épreuves. Les situations que peut-être les gens vont juger que c'est une punition, mais Dieu est en train de te préparer. Si nous voyons donner l'exemple des enfants de Dieu dans le désert, Dieu les avait préparés. Ils ont reçu le baptême là. Parce que la Bible dit qu'il y a une nuée, qui les couvrait. Et après, ils ont passé par l'eau. Alors, c'est-à-dire le passage de la mer Rouge, c'est le baptême. Voilà. Donc, c'est le baptême du croyant. Donc, je peux dire que le baptême du Saint-Esprit. Comment se fait aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu? Amen. Alors, le baptême de feu, c'est Jésus-Christ qui donne. Bon, je vais commencer par le baptême du Saint-Esprit. Oui. C'est le Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alors, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient d'en haut. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te le faire. Mais il y a deux types de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mm. C'est le Seigneur lui-même. Dans sa souveraineté, lui-même peut chercher à te baptiser. Si ton cœur est droit, si tu es capable, si tu es digne de le recevoir, le Seigneur lui-même te baptise. Mais il y a encore autre chose que on reçoit le baptême de feu là, ou bien le baptême du Saint-Esprit par quoi? Par l'imposition des mains. Parce que nous avons vu dans le livre des Actes que l'apôtre Pierre il a prêché la parole de Dieu aux gens. Mais il a vu que non, les gens sont des païens, ils ont reçu, c'est à Samarie qu'ils ont reçu la parole de Dieu, mais il manque quelque chose, ils sont baptisés, mais il manque maintenant le baptême du Saint-Esprit. Donc il a dit, ah, vous avez reçu le baptême en Jésus-Christ, mais il vous manque quelque chose. Donc vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils ont commencé par imposer les mains à ces Samaritains-là, ces païens-là. Et du coup, ils ont commencé par recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils ont commencé par recevoir le baptême du feu. Donc, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit, un, par Jésus-Christ lui-même, mm-hmm. et le deux, par l'imposition des mains des hommes de Dieu. Merci beaucoup d'être avec nous pour votre émission. On en parle sur AfroWeb TV. Nous sommes également sur le www.afrowebtv.com. Vous pouvez également aller sur l'Atest Post ou l'Arest Post pour revisualiser si jamais vous manquez notre émission en direct. Mesdames, messieurs, merci à tous et à chacun de vous. Nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur senior de l'église Shekinah Glory et également ici à Acide Rapide. Merci à vous tous d'être avec nous. On parle du baptême. Je voudrais demander au pasteur, si par exemple je ne suis pas membre d'une église, est-ce obligatoire en fait d'être membre d'une église avant de se faire baptiser? Et pourquoi me demande-t-on d'être membre d'une église au moment du baptême? Merci beaucoup pour la question. Alors, bon, si nous voyons dans Matthieu 28, le verset 19, le commandement était quoi? Jésus disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui. Donc, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, enseignez-les, enseignez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais Jésus n'a pas dit là-bas que de faire des nations des membres d'église. Oui. Donc, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc, pour le baptême, n'est pas, c'est-à-dire, le but du baptême, ce n'est pas de faire de quelqu'un membre d'une église locale. Mais le premier but, c'est d'abord un engagement avec son Dieu. Un engagement avec son Dieu, c'est-à-dire là-dessus, c'est-à-dire c'est une communion avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection.
Maintenant, quand tu fais cela, quand nous lisons, nous lisons dans Éphésiens 4, verset 4 et 6, et jusqu'à 6, vous allez voir que l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens que le baptême, en quelque sorte, c'est quelque chose qui nous donne accès d'appartenir, c'est-à-dire au corps du Christ. L'église ici, si je veux comprendre bien, ce n'est pas l'église, par exemple le Shekinah Glory, mais c'est l'église en général, c'est-à-dire le temple de Dieu rassemblé. Je ne parle pas de temple de Dieu, comme la parole de Dieu le dit, nous sommes le temple de Dieu. Oui. Donc, le regroupement des temples de Dieu, c'est-à-dire le regroupement des croyants, forme une église. Donc, si je parle de l'église maintenant, l'église du point de vue universel. Alors, quand on te demande de te baptiser, c'est d'appartenir à l'église universelle. Pourquoi, bon, avant d'appartenir à l'église universelle, il est très important aussi d'appartenir à une église locale. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que dans l'église dans laquelle tu adores, alors, pour être membre de l'église, il faut te baptiser. C'est-à-dire, pour être disciple de l'église, dans cette église, disciple de Jésus, tu dois te baptiser. Mais ce n'est pas une obligation que dans cette église que je suis là, peut-être que tu t'es baptisé ailleurs. Donc, quand tu es ici, tu dois te baptiser avant de devenir membre. Je vois que c'est une erreur. Alors, je vais te donner un exemple. Mm-hmm. Il y avait un pasteur, c'est-à-dire dans son église, il manquait des gens, des mm-hmm. ouvriers. Yeah. Et puis, il y a un jeune homme qui est venu dans l'église et il était bon en musique. Et maintenant, le pasteur disait au jeune homme qu'avant d'être membre de cette église et de jouer dans sa chorale, la condition est qu'elle doit, c'est-à-dire le jeune homme doit se baptiser. Donc, le jeune homme doit suivre des enseignements pour être baptisé. Oui. Donc, le jeune homme a dit, si c'est se baptiser seulement, aller dans l'eau, revenir, il n'y a pas de problème pour ça. Si peut-être tu me demandais quelque chose de plus grand que ça, peut-être je ne peux pas le faire, mais ça là, il n'y a pas de problème. Donc, le jeune homme a accepté. Alors, il a accepté, on l'a enseigné, on l'a baptisé. Mais le problème est que le jeune homme en question, c'est-à-dire il est quelqu'un qui travaille dans les boîtes de nuit, joue la musique dans les boîtes de nuit, dans les jazz clubs, avant de venir à l'église jouer. Vous voyez ça? Donc, au lieu que le pasteur dise à la personne que avant de appartenir au corps de Christ, il faut que tu te répandes, il faut la repentance, il faut avoir Jésus, il parle directement du baptême, que tu vas te baptiser avant d'appartenir à notre, avant d'être membre de notre église. Et le jeune homme, il est rentré dans l'eau comme un pécheur sec, mais il est ressorti comme un pécheur mouillé. Ça, il n'y a pas la différence. Donc, tu es un pécheur, on t'a trempé dans l'eau, tu ressors comme un pécheur mouillé. Donc, tu demeures la même personne. Donc, je peux dire que pour être membre d'une église, tu n'es pas forcément, ce n'est pas forcé que je te baptise avant d'être membre de mon église. Justement, vous parliez à l'instant donc des critères et des signes. Mmh. Quels sont les signes, si par exemple, qu'on doit avoir chez une personne pour qu'on sente qu'il est prêt pour se faire baptiser? Amen. Alors, les signes, je veux dire que c'est le baptême, d'abord, c'est un engagement de bonne conscience. C'est un engagement selon 1 Pierre 3:21. C'est un engagement de bonne conscience. C'est toi-même qui te vois que vraiment, je veux me baptiser, je suis prêt. Maintenant, vous demandez quels sont les signes. Donc, je veux juste parler des qualités, des exigences que nous devons voir avant de parler du baptême. La première des choses, la personne qui veut se baptiser doit premièrement écouter l'évangile. Donc, sans écouter l'évangile, tu ne peux pas te dire que tu vas te baptiser. L'évangile, c'est quoi? Ce n'est pas les prédications que nous écoutons sur les télés ou bien à l'église, non. L'évangile, c'est quoi? C'est de parler de la naissance de Jésus, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour l'humanité, la façon dont il a sauvé l'humanité par la venue de son Fils unique, Jésus-Christ. Et tu dois, c'est-à-dire, écouter l'œuvre de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection, c'est-à-dire son ministère. C'est ça l'évangile. Donc, la personne qui veut se baptiser, premièrement, doit écouter, parler, c'est-à-dire une fois l'évangile. Et le deuxième critère, la personne doit maintenant se repentir. Alors, quelqu'un qui veut se baptiser, même le baptême de repentance de Jean-Baptiste, alors je voulais tirer l'attention de nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant, que le baptême même, c'est-à-dire rentrer dans l'eau ne veut pas dire que tu es pécheur, c'est pour cela que tu vas te baptiser. Il y a beaucoup de gens qui disent que je m'en vais me baptiser parce que j'ai beaucoup de péchés, donc pour que l'eau lave mes péchés, ce n'est pas ça. Parce que j'avais trouvé un militaire comme ça,
Alors, les militaires, vous savez, vous allez m'excuser pour le thème, parce qu'ils étaient allés hein, à la guerre, il est revenu. Bon, ils ont tué beaucoup de personnes. Et maintenant, sa conscience le dérangeait. Et puis, il disait, il ne sait pas quoi faire. Au lieu de prier, non, il dit que la seule chose qu'il reste maintenant à faire pour être sauvé, c'est le baptême. Donc, il a suivi les enseignements. Et le jour, là, on l'a baptisé. C'est-à-dire, il était content, il dit, waouh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Et il croyait qu'en allant se baptiser, revenir, c'est ça qui donne la solution à son salut. Voilà. Alors qu'il n'a pas compris. Donc, il faut la repentir. La personne doit se repentir d'abord. Tourner, c'est-à-dire, tu vas laisser les mauvaises voies que tu suivais avant. Et qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, je veux dire que ce n'est pas une émotion. Donc, tu vois quelque chose ou bien tu es touché, tu pleures, puis demain tu retombes dans la même chose. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est une décision. Tu prends une décision ferme que ça-là, je ne vais plus le faire. Je vous donne mon exemple. Par exemple, j'étais élevé dans une famille idolâtre, toute la famille, c'est-à-dire c'est l'idolâtrie. Mais c'est vaudou. Mais arrivé à un moment, j'ai pris la décision que la voie là, ça là, je ne peux plus faire ça. Malgré que ça m'a coûté, mais j'ai gardé cette décision là jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc la repentance est une décision. Tu décides que ça là, je ne veux plus faire ça. Je faisais ci, je faisais ça avant, mais maintenant, je dois changer. Et quand tu prends cette décision, c'est ça le deuxième critère. Alors le troisième critère pour quelqu'un qui veut se baptiser, c'est de croire. Donc ça, je viens de dire dans Marc 16, la Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc si tu ne crois pas, tu ne peux pas dire que tu vas te faire baptiser. Donc crois en quoi? Crois en qui? Tu dois croire à celui-là que tu veux suivre. Celui-là que tu veux suivre, ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois croire à la personne. Tu dois croire que lui-là, ce n'est pas un petit Dieu. Il est souverain, il est omnipotent. C'est-à-dire, il est celui-là qui est le maître de ma vie, le sauveur. Donc, il faut croire, la croyance qui va te permettre maintenant d'aller te baptiser. Et maintenant, le dernier critère qui est le quatrième critère, c'est que c'est dans 1 Pierre 3, verset 21. Et là, l'apôtre Pierre va nous parler de la bonne conscience de la personne. C'est comme un appel. Le Seigneur te lance un appel que, avant de devenir mon disciple, il faut que tu te baptises. Alors, tu réponds par une bonne conscience. Tu réponds, c'est-à-dire que, ah Seigneur, je suis prêt à te suivre. Ça devient maintenant un engagement de bonne conscience. Donc ces quatre critères, hein, tu dois voir ces choses dans ta vie avant de parler de baptême. Justement que j'ai un péché récurrent dont je n'arrive pas à me débarrasser, je fais quelque chose dont je n'arrive pas à me débarrasser, et alors que je suis engagé à suivre Jésus, je veux me faire baptiser, que faire? Qu'est-ce que je dois faire si je suis dans ce cas précis? Merci beaucoup pour cette question. Cette question est vraiment pertinente. Alors, peut-être que tu as un péché, on appelle ça péché chéri, que tu n'arrives pas à laisser. Oui. Et mais tu veux te faire baptiser. Alors, nous venons de parler des critères, hein, les exigences du baptême. Mm. Alors, il faut la repentance. Donc, si tu as un péché chéri que tu n'arrives pas à laisser, cela veut dire que tu as encore un problème. Tu as un problème, tu dois laisser ce péché-là. Mais je veux dire à quelqu'un qu'il y a des péchés qu'on n'arrive pas à laisser facilement. Et ces péchés, tu dois comprendre qu'il y a un esprit qui est derrière ce péché-là. Il y a un péché que tu n'arrives pas à laisser. Peut-être, je donne un exemple banal, la masturbation par exemple. La personne est engagée, il est dans l'église. Même il peut être ouvrier dans l'église. Mais, c'est-à-dire il est jeune, mais il n'arrive pas à se retenir. C'est la masturbation qui le dérange. Et il fait ça, mais il regrette pourquoi je fais ça. Mais il veut vraiment se baptiser. Je veux dire que la personne n'en est pas encore prête. Il doit aller se confier à un homme de Dieu. On doit d'abord conduire cette personne-là à une séance de délivrance. La personne doit être délivrée. Quand tu es délivré maintenant, tu peux dominer le péché. Et là, on peut parler de la repentance. Tu vas dire que maintenant, j'arrive à dominer les œuvres de la chair. Mais si ces péchés sont toujours dans ta vie et tu veux aller à l'eau, aller te baptiser, revenir, ça veut dire que tu n'as pas changé, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu es toujours la même chose. Je vais te donner mon exemple encore. Moi, je me suis baptisé même trois fois. Wow. Yeah, parce que la première fois que je suis baptisé là, alors, c'est-à-dire, j'ai suivi le cours théoriquement, mais dans ma vie même, je ne comprenais rien. Alors, je me suis fait baptiser, je crois que, mais il y a des choses que je faisais avant.
avant de donner ma vie à Jésus, je vois qu'il y a encore des choses que je ne continue pas à faire, mais disant que je suis un fidèle, un enfant de Dieu. Alors j'ai vu que non, ça c'est pas bien. Alors le deuxième baptême, ça c'est vraiment obligé. Et là, tu rentres dans cette église, on dit, oh toi, tu dois, avant de travailler chez moi, tu dois te baptiser. Ils m'ont forcé, je n'avais pas compris en réalité ce que c'est que le baptême à ce moment. Ils m'ont forcé que tu dois te baptiser. Alors ils m'ont forcé, je suis allé me baptiser. Maintenant, troisième baptême qui est le dernier que j'ai fait. Alors, je me suis rappelé, j'ai fait un bilan de moi-même. Et j'ai lu la parole de Dieu, je vois que j'ai vu les critères. Ah, si c'est comme ça, je vois des choses, que, si c'est comme ça, il me reste beaucoup de choses à faire. Donc maintenant, je veux prendre un engagement envers mon Seigneur. Donc je me suis décidé, c'est moi-même maintenant qui ai parlé au pasteur. Alors je veux me baptiser. Il a demandé pourquoi j'ai donné mes raisons. Voilà, 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 voilà. Maintenant, je vois que je dois vivre comme un croyant. C'est là que j'ai pris la décision de me faire baptiser. Vous voyez? Donc, si la personne n'est pas encore prête à laisser le péché, là, il doit passer par la délivrance. Je vais donner un exemple de quelqu'un. C'est une fille. Cette fille-là, elle est dans la chorale. Donc, mais son problème, elle est dérangée par un esprit, l'esprit des eaux. Et elle n'arrive pas à se retenir. Elle peut passer sur 3-4 hommes par jour. Mais quand elle fait ça, c'est-à-dire elle regrette ça amèrement. Elle dit, ah, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'elle veut laisser, mais elle n'arrive pas à laisser. Parce qu'il y a une puissance qui est derrière. La puissance nourrit du fait que la jeune fille là, se promène d'homme à homme. Et maintenant, elle a pris la résolution maintenant de se baptiser, que peut-être en se baptisant, peut-être le Seigneur va m'aider à être délivré de cet esprit-là. Donc, manque de discernement, elle a suivi les enseignements du baptême. Et les dirigeants aussi n'ont pas eu du discernement de voir que la fille a besoin de la délivrance. Mais on l'a amenée au bord de la mer pour la baptiser. Alors, on l'a mis dans l'eau en même temps, la fille a disparu. Wow. Entre les mains des pasteurs. Alors, les gens peuvent croire que ça, c'est une histoire, mais c'est un témoignage qui est vrai, qui est vivant. Donc, la fille a disparu comme ça, et il va falloir que les intercesseurs commencent par intercéder pendant des heures avant que la fille ne sorte maintenant de l'eau. On l'a retrouvée finalement. Et c'est là qu'ils ont commencé par conduire la fille dans des séances de délivrance. Je veux dire que si tu n'es pas totalement délivré, il ne faut pas aller te baptiser. Parce qu'il y a des risques dedans. Quelqu'un peut te dire, c'est la foi, vas-y, fais, après tu vas laisser. Non, je vais te dire qu'il faut être prêt. Pas là, pasteur. Bon, pour finir, je suis un peu trop long. Non, allez-y. Je vais retourner sur le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste faisait quelque chose. Il exigeait trois choses. D'abord, la repentance. Deuxièmement, tu dois confesser tes péchés publiquement devant tout le monde. Et troisième, c'est-à-dire ta vie, il doit avoir la preuve d'une vie est transformée. Il va voir que tu es transformé avant de te baptiser. C'est ce que Jean-Baptiste faisait. Bon, je vais attaquer le deuxième point qui est la confession des péchés. Donc, pourquoi Jean-Baptiste demandait cela? C'est-à-dire, tu confesses des péchés et à haute voix. S'il y a quelque chose, on peut régler là, on va régler avant de te baptiser. Là, celui qui a le péché caché en lui, il peut aller voir le pasteur pour confesser le péché là. Pour que le pasteur l'aide. Et après ça, là, on peut te baptiser. Donc, c'est ce que je peux dire. Vous êtes dans votre émission, on en parle. Des sujets intéressants sont ici, c'est nulle part ailleurs. C'est sur AfroWeb TV. Merci infiniment. On reçoit pour vous, monsieur le pasteur, très béni, l'homme oint de Dieu. Donc, pasteur Kofi Agbeto, fan de Shekinah Glory Christian Church, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans nos studios pour nous parler du baptême. Il y a également un cas d'espèce dont je voudrais vous transformer en question. En période de vacances ou en période de somme, sinon également à l'extérieur du pays. Et est-ce que tout le monde peut baptiser? La première question. La deuxième question, et est-ce qu'on peut se baptiser dans la mer ou soit avoir son baptême dans un baignoire? Et dans quel cas le baptême est valable? Ah, ok. Merci beaucoup pour la question. Alors, première question, c'est si un ami peut me baptiser. Tu as un ami. Alors, à cette question, si nous rentrons dans la Bible, nous allons voir que le baptême, c'est-à-dire Dieu choisit souvent des gens qui sont spécifiques,
qui peut faire le baptême. Et premièrement, c'est Jean-Baptiste qui l'avait fait. Et après, les disciples de Jésus ont fait le baptême. Donc, je veux répondre seulement que si tout le monde peut baptiser, mais si la personne est disciple de Jésus, disciple, c'est la personne qui croit en Jésus et qui est, c'est-à-dire la personne est mise à part. Ce n'est pas que tu as un ami, vous vous promenez ensemble, vous mangez ensemble, vous allez dans les boîtes de nuit et puis du coup vous avez senti le besoin de se faire baptiser et puis tu demandes à mon frère tu peux me plonger dans l'eau, ça ce n'est pas le baptême ça. Il faut que quelqu'un qui est certifié, un disciple de Dieu, quelqu'un qui connaît quelque chose, qui peut t'enseigner sur le baptême, c'est la personne là qui va te baptiser. Et c'est pour cela dans nos églises. C'est-à-dire, on donne cette occasion-là aux diacres, aux leaders de l'église, ceux qui ont quelque chose, ils ont une connaissance sur le truc avant de te baptiser. Si ton ami est peut-être un évangéliste, il connaît la parole de Dieu, il sait ce que c'est que le baptême, il comprend l'évangile lui-même et il a expérimenté l'évangile, il n'y a pas de problème, il peut te baptiser. Mais si c'est un ami seulement, il est comme toi, non, ça c'est pas le baptême, je peux appeler ça une comédie. Alors, la deuxième question, c'est donc, on peut se baptiser dans la mer, on peut se baptiser dans un baignoire. Bon, à cette question, la Bible dit, si nous voyons dans Jean 3, nous allons lire Jean 3, le verset 23, la Bible dit que Jean-Baptiste baptisait à Énon près de Salim, parce qu'il avait beaucoup d'eau, il avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Il y avait là beaucoup d'eau. Donc, la Bible n'a pas dit... il y a des gens qui mettent la différence entre la mer, la rivière, la mer. Bon, on veut se baptiser dans la mer. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui disent que la mer, il y a des esprits dans la mer. Donc, la mer, ce n'est pas bon. Dans tous les eaux, il y a toujours les esprits. Les esprits peuvent les utiliser. Donc, que ce soit dans la mer, que ce soit dans une rivière, on peut se baptiser dedans. L'essentiel est qu'il faut prier, confier le lieu là entre les mains de l'Éternel et puis vous pouvez faire le baptême. Et ce qui concerne les baignoires, c'est aussi possible. L'essentiel est que le baptême, c'est-à-dire la signification du baptême, soit révélée. C'est, on arrive à te plonger dans l'eau. Donc c'est ça. Donc c'est dans, ici, par exemple, dans nos églises ici, aux États-Unis par exemple, vous allez voir dans les églises, ils ont des choses comme ça et ils vont faire des baptêmes dans les choses comme ça. Mais au pays, le pourquoi nous n'acceptons pas, parce que dans les baignoires, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir prendre soin des baignoires là, parce qu'il y a des maladies contagieuses. On peut plonger quelqu'un dans le baignoire, amener encore d'autres personnes, la personne peut recevoir des maladies à travers le baptême. Mais ici, ils ont des moyens pour chauffer l'eau là, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que la personne soit plongée dans l'eau. Donc, dans la mer, que dans la rivière, dans les baignoires. Il n'y a pas de problème. Justement, je voudrais poser une question. Est-ce que le baptême par aspersion est un rabais par rapport au baptême par immersion et quelle est la différence? Merci beaucoup. Ça, vraiment, il y a vraiment de polémique sur cette question. Alors, si nous entrons dans la Bible, je veux toujours aller dans la Bible pour expliquer. Alors, quand nous voyons dans la Bible, on voit qu'il n'y a pas de baptême qui a été fait et on a versé de l'eau sur la tête de quelqu'un. Voilà. Et Jésus lui-même n'avait pas expliqué, n'avait pas vraiment donné des explications sur le sujet, sur le baptême. Mais celui-là qui va donner les explications nécessaires sur le baptême, c'est l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Les deux-là, c'est eux maintenant qui vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer vraiment, alors, qu'est-ce que c'est que le baptême? Parce que je me suis dit que si Jésus était discret sur ce sujet, c'est qu'il veut qu'on fasse comprendre que c'est un commandement. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas trop expliqué. Mais l'apôtre Paul va bien expliquer cela. Nous allons voir dans Romains 6, si vous me permettez. Allons-y. Nous allons lire dans Romains chapitre 6. Romains le chapitre 6. Bon, si nous voyons Romains le chapitre 6, nous voyons le verset à partir de verset 2. Il dit loin de là. Bon, nous allons commencer par le verset 1. Nous dirons que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore
dans le comment vivons-nous encore dans le péché? Verset 3 maintenant, il dit, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Le verset 5 dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, alors nous serions aussi par la conformité de sa résurrection. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à travers ce passage? Parce que c'est sur le verset 4, que nous avons été ensevelis hein, par lui, par le baptême en sa mort. Enseveler quelqu'un, c'est d'enterrer la personne. Donc, le baptême chrétien, ça illustre les quatre étapes de la mort de Jésus. Alors, quelqu'un peut me poser la question, savoir quelles sont les quatre étapes, la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection et sa montée au ciel. Donc, le baptême chrétien symbolise ces quatre étapes-là, illustre ces quatre étapes. Et quand tu es plongé dans l'eau, cela veut dire que tu es mort. Tu dis clairement, selon le verset que nous venons de lire, que tu dis clairement que je suis mort avec Jésus. On m'a enseveli, on m'a enterré avec lui. Mais mort ici, ce n'est pas le fait que tu seras mort physiquement, mais il s'agit de la mort au péché. Comme le verset 1 le dit, nous sommes morts à nos péchés, c'est-à-dire à nos égaux, nos vieil homme qui est en nous. Nous sommes en train de dire que à partir de Jésus, nous recevons une attestation que nous ne sommes plus la personne que nous étions avant. C'est-à-dire que tu t'es plongé dans l'eau, tu meurs avec Jésus. Maintenant, quand on te fait sortir de l'eau, la signification est que ça illustre que tu es ressuscité avec Jésus pour mener maintenant une vie glorieuse. Et maintenant, si on verse l'eau sur la tête, alors ça ne symbolise, ça ne donne pas la définition hein, du mot baptême. Le baptême, la définition comme nous venons de le dire, c'est immerger quelqu'un. Non, c'est-à-dire c'est une immersion totale ou bien complète. Maintenant, on te verse de l'eau sur la tête, ça ne donne pas vraiment le sens hein, du mot baptême. C'est comme on peut dire, hein, immersion par aspersion. C'est non-sens. Immersion par aspersion. Oui. C'est de non-sens. Donc, il faut que la personne soit plongée dans l'eau. Pour encore parler et donner un verset encore dans Jean 3, verset 23. La Bible dit que les gens venaient vers Jean parce qu'il y avait beaucoup d'eau là-bas. Alors, si c'est que l'aspersion est valable, donc pourquoi ne pas aller au bord du puits, puiser de l'eau et puis baptiser les gens? Mais la Bible dit que les gens voyageaient. Ils venaient vers Jean-Baptiste parce qu'il y avait beaucoup d'eau là-bas. Donc, quand nous voyons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, personne n'a versé de l'eau sur la tête de personne. Tout le monde a été plongé, immergé. Nous pouvons donner également l'exemple de Jésus-Christ dans Matthieu 23. Il est allé chez Jean-Baptiste. Alors, on l'a plongé dans l'eau, on l'a immergé. Donc, de Jésus jusqu'aux disciples, on n'a vu personne à qui on a versé de l'eau. Donc, je peux dire que... Donc, tous ceux qui ont fait le baptême par aspersion doivent refaire le baptême par immersion. Vraiment, parce que je viens de dire que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Oui. Donc, c'est à toi de comprendre que j'ai fait le baptême le baptême par aspersion. J'ai vu que ça, je vois que ce n'est pas dans la norme. Donc, je vais me rebaptiser. Là, ça va dépendre de toi. Mais après des enseignements, si tu comprends, mais personne ne viendra pas te forcer. Non, tu dois te faire baptiser. Non, il faut que tu comprennes d'abord. Donc, si tu t'es baptisé quelque part et on t'a versé de l'eau sur la tête, et voyant les définitions, les critères que nous venons de donner pour le baptême, et nous avons bien expliqué, nous avons vu dans la Bible comment les apôtres ont fait leur baptême, comment Jésus même s'est baptisé. Quand nous voyons ces choses-là, tu vas voir que je dois me rebaptiser. Là, ça sera un engagement que tu dois apprendre. Oui. Merci de répondre à toutes nos questions posées et merci également d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes presque à la fin donc de ce numéro de votre émission. On en parle qui est consacré au baptême. J'espère que vous avez beaucoup d'informations à travers cette émission. Allez-y aux commentaires, posez encore plus de questions. Allez-y, nous sommes toujours à l'écoute, plus proche de vous. Voilà donc le rôle d'un média aussi. Alors c'est ce que nous essayons de faire, d'éclaircir également les points sombres, de sensibiliser les
les uns les autres à aller donc à la vérité au cours donc de cette émission. On en parle. Nous sommes à la fin, pasteur Kofi Agbetofana. Mm. Quel est votre mot de clôture pour cette émission concernant le baptême? Ok, je veux dire au peuple de Dieu que, bon, je voulais tirer vos attentions à un point, à un sujet. C'est-à-dire, dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que le baptême sauve. Donc, je vais me baptiser pour être sauvé. Mais je voudrais dire à quelqu'un que le baptême lui-même ne sauve pas. Mais il faut la foi. Mais le baptême constitue maintenant, c'est-à-dire, nous pouvons dire que c'est un certificat, c'est un complément qui complète ta foi. Donc, ne pensez pas que vous allez à l'eau parce que vous avez des péchés. Et donc, Jésus-Christ n'avait pas de péché, mais il s'est baptisé. Donc, ne pense pas que c'est à cause de tes péchés que tu veux te baptiser. Et Jésus, quand il veut se baptiser, alors Jean-Baptiste a dit, je ne peux pas te baptiser parce que je ne suis pas digne de porter tes souliers. Mais Jésus dit, faisons ce qui est convenable, ce qui est juste. Donc, pour que ça dise, la parole de Dieu soit honorée, faisons ce qui est juste. Et donc, pour cela, pour faire ce qui est juste, nous sommes obligés, en tant que croyants, à se baptiser. Pour finir, je vais parler aussi des baptêmes des enfants. Les exigences que nous venons de suggérer, de numérer. Donc, est-ce qu'un enfant peut écouter l'évangile? Un enfant peut se repentir? Est-ce qu'un enfant, peut croire? Un enfant peut prendre une décision? Donc, cela voudrait dire que pour le baptême est réservé aux adultes, ceux-là qui peuvent faire la différence entre ça y est, le bien et le mal. Et je continue par préciser que c'est un engagement de bonne conscience. Il faut que toi-même, tu rentres en toi, tu comprends que vraiment, je veux me baptiser. Il ne faut pas que quelqu'un te force. Là, je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur Agbetofana. Je rappelle à tous les amis internautes, à tous les auditeurs et surtout également à tous les téléspectateurs d'AfroWeb TV que vous êtes sur le www.afrowebtv.com dans votre émission. On en parle. C'était donc le pasteur Kofi Agbetofana de Shekina Glory Christian Church que nous avons reçu. Nous espérons vous recevoir dans d'autres émissions pour d'autres éclaircissements malgré votre emploi du temps chargé. Merci infiniment d'avoir honoré également, de nous avoir aidé à comprendre beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, vous qui nous avez suivis, vous avez suivi beaucoup de choses à travers cette émission. Merci à tous et à chacun de vous. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission, notamment on en parle avec Edith Aina que nous saluons. Merci à tous et à chacun de vous. Bonne suite de nos programmes.